pardon pour ceux qui l'ont vécu. Mais la question n'est pas ce qu'on fait ou ton père ou ta mère dans cette guerre perdue. Non, la question n'est pas là. Ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Cinquante années originales, avec des hauts plus ou moins bas, des amours tendres ou infernales, un jour l'argent, un autre pas. Le désespoir bien ordinaire d'un homme qui ne se connaît pas. Et si j'avais connu la guerre, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Pardon pour ceux qui ont souffert, mais la question n'est pas ce qu'on fait ou ton père ou ta mère dans les ténèbres de ce temps-là. Non, la question n'est pas là. Ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Je pense à tous les humiliés par cette étoile qu'ils ont portée. Parce que ça s'est passé chez moi, je pense à ceux qui ne sont plus là. Notre avenir a un passé, la mémoire n'est pas dépassée. Mais le pardon ne suffit pas, mon Dieu. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Pour ceux qui sont nés aujourd'hui, choisir le bon côté, c'est sûr. Beaucoup voulaient sauver leur vie, beaucoup s'inclinaient par nature. Quelle sorte d'homme aurais-je été? Celui du rail et du Vercors? Ou bien ce jeune homme abusé, jouant à la guerre, jouant à la mort? Parlons pour ceux qui l'ont vécu. Mais la question n'est pas ce qu'on fait ou ton père ou ta mère dans cette guerre perdue. Non, la question n'est pas là. Ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait, moi?